Alban Ivanov qui joue ce soir et demain au Casino de Paris. Il est en tournée dans toute la France, de l'humour. Oui, Bintili, nous en avons bien besoin. Oui, je me suis dit qu'il était un peu temps, Pascal, de vous parler des humoristes. Alban Ivanov, c'est un petit peu mon chouchou du moment. Alors, on l'a vu au Jamel Comedy Club, hein, il a affiché complet pendant 2 saisons. Et sa particularité à Alban Ivanov, c'est son franc-parler. Il ne passe pas par 4 chemins pour dire les choses. Son spectacle s'appelle Éléments perturbateurs, un mélange de stand-up et de one-man show plus classique avec des personnages, hein, la conseillère d'orientation, Chico, le gitan, ou encore le lanceur de javelot. Regardez ce que ça donne avec ce sketch sur sa vie de collégien. Le seul diplôme que j'ai obtenu de ma vie, et je me suis vraiment donné beaucoup de mal, c'est un 50 mètres natation, tu vois. Donc c'est pour ça, maintenant au Pôle emploi, j'y mets en maillot de bain, tu vois. Comme ça, ils savent qu'ils ont affaire à un professionnel. Oh non, résultat catastrophique. Au collège, à tous les trimestres, je faisais avertissement travail et conduite. Le doublé, championnat, Ligue des champions. Soit t'es là, soit t'es pas là. Mes appréciations sur mes bulletins, c'était Alban vient sans ses affaires, mais repart avec les affaires des autres. Alban progresse en flûte. Dommage que nous soyons en cours de maths. Pouvez-vous me décrire Alban? Je ne l'ai jamais vu. C'est ça qui est drôle, hein, Pascal, chez Alban Ivanov, c'est ce côté brut de décoffrage avec cette grosse voix cassée. Et Alban Ivanov, c'est loin d'être un inconnu, Pascal. On le voit en ce moment au cinéma dans Le Sens de la Fête. Il joue ce serveur gauche qui crée plein de problèmes dans le film. Et il vient d'ailleurs d'être présélectionné en tant que meilleur espoir masculin pour les Césars pour ce film. On l'a aussi vu dans un autre film, c'était dans le film Patient de grand corps malade. Il jouait un aide-soignant vraiment très 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 drôle. J'avais beaucoup apprécié la prestation. Vous le voyez, notre Alban est très courtisé par le cinéma français. Je l'ai rencontré hier avec David Verrago, Casino de Paris. Il nous parle de ses deux amours, la scène et le cinéma. Pour moi, vraiment, le cinéma, c'est le kiff de tourner avec des gens que je respecte et que j'admire, quoi. Là, en le tuant au Sens de la Fête, c'était Jean-Pierre Bacri. Ça veut dire que même le film, ça aurait été une histoire de chenille ou je sais pas, j'y serais quand même allé parce que c'est vraiment ce kiff-là de jouer avec des grands acteurs. Moi, je vois ça comme des cours. C'est très dur quand on est un jeune acteur, parce qu'on passe des essais, on ne nous rappelle pas pour savoir si on a été pris ou pas. Donc on est toujours un peu dans une attente. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire du one-man show, parce que je me suis dit, voilà, au pire des cas, même si on ne m'appelle pas, eh ben, au moins j'aurai mon spectacle, je serai sur scène, et c'est le top. Et depuis que je pense comme ça, ben, on n'arrête pas de m'appeler pour le cinéma. Et sur scène, Pascal, Alban Ivanov prend pas mal son public à partie, mais que les timides se rassurent, c'est toujours bon enfant, il n'y a pas d'acharnement. Et pour vous convaincre, Pascal, de venir le voir, Alban vous a laissé un message. Bonjour Pascal, je suis Alban Ivanov, vous êtes la chef. Il paraît que vous êtes quelqu'un de rigolote. Eh bien moi, avec ce temps morose, maussade, j'ai envie de vous inviter à mon spectacle. Venez chef, on va se marrer. Ouais, Pascal, l'invitation on va y aller, est donnée. Alors, il joue ce soir et demain au Casino de Paris. Alors, Pascal, vous allez encore me gronder, c'est complet. Voilà, parce qu'à Paris, c'est très vite complet. Non, Pascal, j'ai une bonne nouvelle. L'Olympia, 28 avril, ce n'est pas complet, allez-y. Et il est en province en ce moment, hein, jusqu'au printemps. Il tourne partout, Lyon, Annecy, Belfort, Joué-les-Tours, Toulouse, Nantes. Il est vraiment partout, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Bon, bah, écoutez, super, merci Bintili, on a pris date. L'autre